Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous, même en mode virtuel, lors de cette réunion préparatoire du prochain FGI 2020. Je suis désolé que nous sommes en mode urgence et que je n'ai pas trop de temps. C'est assez inhabituel, mais c'est une période difficile pour nous tous. Je veux partager avec vous ce que nous avons fait le mois dernier en tant que l'Union des radiodiffuseurs du monde, WBU, et l'Union européenne de radio-télévision, EBU, dans notre domaine de compétences, c'est-à-dire les médias. Il s'agit de mesures liées à la gouvernance de l'Internet, entreprise pour faire face à la crise du Covid-19. Le premier grand domaine de notre activité a été lié à la lutte contre la désinformation. Ceci est important, surtout en période de crise comme le Covid-19, lorsque les citoyens ont besoin d'informations essentielles et fiables pour protéger leur vie. Nous avons intensifié nos efforts sur des initiatives telles que le Journalist Trust Initiative, dirigé par Reporters sans frontières et l'UNESCO. Nous avons aussi le Trusted News Initiative, dirigé par la BBC, qui a eu un impact sur diverses plateformes Internet et médias imprimés. Et il y a certaines activités qui coordonnent le développement d'outils d'intelligence artificielle qui nous permettent de détecter facilement et de suivre la source de la désinformation. Il s'agit du premier et du plus important devoir que les citoyens dans le monde entier attendent des radiodiffuseurs publics. Nous avons obtenu certains résultats car l'utilisation des informations et l'accès aux informations fournies par les diffuseurs publics ont augmenté de 30% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est la preuve que les gens veulent avoir accès à des informations fiables. Et le plus important, c'est que même les personnes qui auparavant regardaient les médias sociaux comme leur première source d'information, même les jeunes, maintenant, pendant cette période, préfèrent aller sur des sites web fiables gérés par les médias traditionnels, car leur vie est en jeu et ils ne veulent prendre aucun risque. Le deuxième domaine d'activité que nous avons réalisé concerne également la crise du Covid-19. Il s'agit de la durabilité du modèle économique des médias. Comme vous le savez, en 3 mois, depuis février à avril, les revenus publicitaires du marché des médias traditionnels ont baissé de 75%. Bien sûr, cet impact varie d'un média à l'autre. Il a été très dévastateur pour les médias commerciaux, les médias communautaires, les médias imprimés, mais moins pour les médias publics qui sont bien financés par la redevance qui a prouvé son efficacité en tant que modèle de financement. Néanmoins, c'est un problème systémique. Nous essayons donc de sensibiliser les politiciens et les institutions dirigeantes à ce problème. Comment pourrait-il être abordé et comment pourrait-il être résolu? Et nous essayons de fournir une assistance à nos membres et de mobiliser des ressources afin de faire face à ce manque de financement. Mais le problème, comme je l'ai déjà dit, est systémique et doit être abordé au plus haut niveau, c'est-à-dire sur le niveau mondial, parce que cela pourrait affecter la démocratie. Si les médias ne fonctionnent pas correctement, la démocratie sera bientôt dans une situation problématique ou est déjà dans une situation problématique. Ensuite, le dernier point sur lequel nous avons beaucoup travaillé est de faire savoir comment partager l'expérience et les meilleures pratiques. De nombreux problèmes techniques sont apparus ces jours-ci. Comment produire un programme télé sans invité dans le studio? Comment le faire sans public? Comment produire des programmes radio lorsqu'on est confiné à la maison? Comment produire des informations de manière sûre? We have asked all members to share their best practices and experience, and thanks to that, a solution that has been adopted in Switzerland has been then moved and transposed in Poland or in any other country that is member of the Union, and even in Africa and in other countries. So all these activities has been made and are still continuing to be done in order to have a better, more informed, proper world in which
which the media can perform at the best their work to assist citizens in their daily life that is complicated in this kind of situation. Thank you very much, and I wish all of you a nice IGF meeting.